habiter dans nos pensées. Donc que tes pensées soient captives à l'obéissance de sa parole cet après-midi. Alors nous allons chanter, sois vraiment concentré et nous chantons ensemble avec les chants.
déclare l'autorité pour toute puissance de l'ennemi. Ce qui peut venir nous empêcher, pour empêcher que la parole ne soit pas déversée librement. Nous allons chasser toute puissance de l'ennemi. Que ce lieu soit libre, parce que je sais l'Esprit de Dieu là. Le consolateur est avec nous. Alors tu vas seulement prendre l'autorité. Dans ce lieu, nous le repoussons dans les lieux arrière. Que Dieu devienne l'interprétation de ta parole. Tout ce qui est des distractions, tout ce qui est des insomnies, qui veut venir dans ce lieu, nous éduire, nous empêcher, Seigneur, et que ta parole ne soit pas prêchée librement dans ce lieu. Nous le repoussons, nous le chassons, nous le chassons, nous le chassons. Parce que cette parole tombera dans une bonne terre. Et que cette terre, c'est ton cœur. Que ton cœur ne soit pas comme des épines. Que ton cœur ne soit pas comme ces paroles qui sont tombées au long des chemins. Les oiseaux, ils l'ont mangé. Mais que ton cœur soit un cœur d'une bonne terre. Là où la parole est tombée. Et qui a apporté beaucoup de fruits. Dis Seigneur merci, parce que mon cœur est prêt. Mon cœur est prêt pour recevoir. Prie au nom de Jésus. Remercie notre Dieu pour cette première partie. Alléluia. Amen. Faisons place. Merci. Nous allons fermer nos yeux. Seigneur, merci pour ta parole de cet après-midi. Merci pour tout ce qu'elle va être et va faire dans nos vies. Merci pour l'onction qu'elle contient et la vie qu'elle dégage. Père, merci pour la délivrance qu'elle porte, pour la sagesse qu'elle communique et l'intelligence qu'elle ouvre à tout et chacun. Père, que ton nom soit exalté dans ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, vivifie ta parole dans nos cœurs, dans nos esprits. Père, je te déclare, Seigneur, dans ces lieux, règne en maître, règne en seigneur, en roi. Que ces lieux soient inondés de ta présence. Nous voulons, Seigneur, tous être plongés dans le bain de ta parole pour être éclairés. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Qui est le Seigneur? Jésus. L'impact de la généalogie dans une génération. Nous avons dit ou présenté les choses en disant que ou en présentant d'abord la généalogie de Jésus. Et nous avons vu c'est quoi la généalogie. La généalogie, c'est la liste des ancêtres d'une personne. Je vais être trop court. C'est la lignée ancestrale. La généalogie vise à établir l'origine et la filiation de personnes, de familles. La généalogie. Alors, la génération, c'est quoi? Nous avions dit que la génération, c'est l'ensemble des êtres qui descendent d'une personne à chacun des degrés de la filiation. La génération, c'est l'ensemble des individus qui, à la même époque, sont dans la même tranche d'âge. J'ai donné l'exemple de Jean-Baptiste et Jésus-Christ, qui sont nés de la même époque. Et la génération, c'était un espace de temps, d'une époque de trentaine, si vous voulez. Alors, je dis, parler de la généalogie et de la génération, c'est analyser le lien existant entre généalogie et une génération. Un lien qui est tant physique et aussi spirituel. Et c'est aussi comprendre le degré de l'influence généalogique sur une génération donnée. C'est aussi révéler la qualité de la sémence transmise de la généalogie à une génération. Alléluia. Amen. Alors, je dis que le but de cet enseignement, c'est quoi? Parce que quelqu'un m'avait dit un jour, mais la généalogie, la génération, ce sont des thèmes théologiques. Mais hier, vous n'avez pas entendu la théologie. Alléluia. Amen. La parole. Parce qu'on a commencé par la généalogie de Jésus-Christ.
Donc, le but de ces messages ou de cet enseignement, c'est maîtriser les effets de la généalogie pour donner, pour dominer dans sa génération. Je dis que tu ne peux pas dominer dans ta génération future sans pourtant connaître les sources de la généalogie, d'où tu viens, de tes ancêtres. C'est pour le but de cet enseignement, c'est arrêter l'influence négative de la généalogie pour éclairer ou donner l'influence positive à ta génération. Alléluia. Amen. Et j'ai aussi dit que c'est arrêter l'influence positive, plutôt donner l'influence positive à la génération future. Donc c'est pour amener quelqu'un à servir au dessein de Dieu dans notre génération, sans être freiné par la sémence négative de la généalogie. Parce que je ne connais pas d'où je viens. Ce sont mes ancêtres qui connaissent. Ils savent ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont déclaré sur la future génération. Je n'étais pas là. Je ne vais pas donner ma signature. Mais les choses me poursuivent. Donc j'ai le pouvoir d'anéantir ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous donnons cet enseignement. Alors aujourd'hui, nous allons faire la suite. Parce qu'il s'agit de l'impact d'une généalogie pour une génération. Amen. Mais ce ne sont pas seulement les impacts positifs, ou ce ne sont pas seulement les impacts négatifs, il y a aussi des positifs. Alléluia. Amen. Si nous lisons l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous verrons qu'il n'y avait pas seulement des choses négatives, il y a aussi des positifs. Et que l'héritage de la bénédiction n'était pas resté seulement pour Abraham seul, mais jusqu'à Joseph. Alléluia. Amen. Et c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui. Et tu vas t'examiner, analyser d'où tu viens. D'où tu viens, où tu étais, où dans ta généalogie, dans la vie de tes ancêtres, il y a eu aussi des bonnes choses qui peuvent te poursuivre ou te contaminer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais y arriver. Et nous allons aujourd'hui lire quelques portions de la lecture biblique. Nous avons Genèse chapitre 41, le verset 45. Si vous n'avez pas le temps de lire, notez, c'est très important de lire à la maison. Genèse, chapitre 41, le verset 45. Et puis nous lirons Genèse 41, toujours, le verset 50 et 52. 50 par loi, 52, je les prends. Genèse, chapitre 41, le verset 45. La Bible dit ceci. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnat Panéas et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra. Ça peut être étrange, c'est ce nom pour toi. L'Asnat, la femme de Joseph, elle était la fille d'un certain monsieur, on l'appelle Potiphéra, un prêtre de la ville de Don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Ça, c'est le verset 45. Et le verset 50, la Bible dit ceci. Avant les années de famine, Joseph naquit. Donc, il naquit à Joseph deux fils. Que lui enfanta Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'or. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. En d'autres mots, de la généalogie passée. Et toutes mes peines et toute la maison de la maison de mon père. Voilà, donc de mes ancêtres. Parce qu'il a été vendu. Hein. Il a souffert. Il avait perdu la vie pour Joseph, pour Jacob. Joseph était déjà mort. Alors, il donna le nom à son fils. Comme quoi, Dieu m'a fait oublier le peine, les soucis. En d'autres mots, les soucis ou les mauvais impacts de la généalogie passée. Parce que je me suis retrouvé ministre en Égypte. Amen. Je continue la lecture. Et il donna au second le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Alléluia. Amen. Wow. Alors, je dirais ceci par rapport aux vérités clés liées à la généalogie et la génération. Il y a d'autres expressions qui sont venues la nuit. Et rien n'empêche que je note ça et je vous l'ai dit aussi. Je dirais que les mots clés de cet enseignement, c'est toute personne est liée à une généalogie. N'est-ce pas? Toute généalogie transmet toujours une sémence à des futures générations. Et cette sémence peut être bonne, tout comme
mauvaise. Alors, toute génération est influencée à bien ou en mal dans une généalogie. Par la généalogie, pardon. Et la sémence qui se transmet d'une génération à une autre peut aussi être étouffée. Vous êtes d'accord avec moi? Nous y arriverons. Vous verrez comment Joseph avait étouffé la mauvaise sémence pour ses enfants. Alors, l'importance de la généalogie, c'est quoi? Avant d'entrer dans la profondeur de ce que nous voulons apprendre aujourd'hui, je voulais quand même poser quelques pierres très importantes. Alléluia. Pour la bonne compréhension. L'importance de la généalogie, c'est quoi? La Bible introduit la nouvelle alliance et en détaillant la généalogie de Jésus-Christ. Nous avons lu ça hier. Hein? Dans Matthieu chapitre 1, verset 1 et le verset 17. Et nous avons dit aussi dans Esdras chapitre 2, verset 62, que tous les lévites sans titre généalogique étaient exclus du sacerdoce. C'est clair? Et pour être considéré dans le ministère, je dis ici, il faut avoir une généalogie spirituelle. D'où tu viens? Alléluia. Qui t'a imposé les mains? Qui t'a ordonné? Qui t'a dit que tu es quelqu'un? Tu seras quelqu'un demain. Tu dois avoir la source. Alléluia. Amen. Et cela avait compliqué le début du ministère de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été très compliqué. Parce qu'on le connaissait tant que tu es des églises. Il détruisait les églises. Il a fallu qu'Apollos vienne lui parler de bonnes choses sur lui. Témoigner que non, ce type-là, il n'est plus Saoul, mais il est l'apôtre Paul. Dieu l'a changé. Dieu l'a transformé. C'était l'affirmation que Apollos, voilà, il est venu déclarer pour sauvegarder le témoignage de l'apôtre Paul. Barnabas, pardon, l'avait conduit vers les apôtres pour son adhésion, comme on dit ça en français. Alors, le récit que nous venons de lire maintenant, c'est là où nous allons comprendre, en deuxième degré, l'impact de la généalogie à une génération. Les deux portions des versets. Dans Genèse chapitre 48, versets 6, 1 à 6. Après, je veux que quelqu'un fasse la lecture là-dessus. Genèse 48, le premier verset au sixième verset. Si quelqu'un trouve la page, peut nous aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Genèse 48, du premier verset au sixième verset. Je vais lire aussi moi-même. J'attends qu'il y ait l'église. Je lis au nom de Jésus. Merci. Après ces choses, l'on veut dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Écoutez bien. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassemblant ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Tu peux souligner la fin, le verset 5, c'est très important. Je recommence. Le verset 5. Mais quelqu'un peut souligner, si la Bible t'appartient, souligne le verset 7, c'est très très clair. Maintenant, vas-y. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Verset 6. Oui. Mais les enfants que tu engendras après eux seront à toi. Et ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Merci beaucoup. Voilà, écoutez-moi maintenant. D'accord? La transmission. J'ai dit bien que l'impact de la généalogie ne sont pas seulement dans les mauvaises choses, aussi dans les bonnes choses. Alors, Joseph a hérité, mais avec des complications. Acheté par les Israélites et vendu en Égypte. Toujours avec la sémence de bénédiction. Des pays des Canaan en Égypte, Joseph n'avait pas perdu la sémence bénie. Parce que la sémence ne s'y voyait pas. Et cachée. Alléluia. Amen. Alors, la provenance de cette sémence, c'est quoi? Cette sémence trouve son origine en Abraham. Et Joseph l'a reçu via son père Jacob. D'accord? L'héritage. Abraham, Isaac, Jacob et puis Joseph. Et Abraham, la Bible dit au verset 10, au chapitre 12 de Genèse, Abraham bénit.
les bénis de Dieu. Et après, la Bible prononce la phrase pour Isaac. Isaac fort béni. Après Abraham, Isaac fort béni. Et pour Jacob, la Bible dit que Jacob béni par Isaac est fruit seul chez Laban. Seul, sans rien. Sans la carte bancaire, sans le chèque. Mais avec une parole intérieure. Cachée, une bénédiction immense. Que Isaac avait prononcé sur lui. Alors, Jacob, avait seulement reçu la bénédiction de la bouche d'Isaac. Cette parole de bénédiction était une semence transmise. Il est parti parce qu'il avait eu peur de son frère Ésaü. Il est parti, soi-disant, il est parti sans rien, mais il avait les choses cachées. Alors, toute vraie bénédiction, bien-aimé, toute vraie bénédiction, toute vraie richesse, c'est transmise et c'est multiplié. C'est comme on dit chez les Bakongo, Kodia. Hein? Si on te donne ça, ça va se produire. À moins que même ça m'aime. Si tu obéis aux lois de cette transmission, de cet héritage-là, tu vas être rémunéré. C'est la même chose avec la bénédiction. Toute vraie bénédiction est transmise, aussi c'est multiplié. Voilà pourquoi la Bible dira, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fasse quoi? Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Parce que ça vient de Dieu. Ce ne sont pas nos bénédictions qui sont accompagnées avec des paroles, ce qui n'a dit si ce n'était pas moi. Je vais continuer. Alors, tout commence avec Abraham. Tout avec Abraham. Parce qu'Abraham, c'est la sémence bénie. Premier degré, Abraham, comblé de bénédictions par Dieu. Genèse 24. Devint puissant, transmis à Isaac. Avant sa mort, Abraham donna tous ses biens à Isaac et fit les dons au fils de ses concubines. Genèse 25. Deuxième degré, la bénédiction passe d'Abraham à Isaac. Qu'est-ce que la Bible dit pour Isaac dans Genèse 26? Cet homme devient riche. Fort riche. Donc en dépassant même Abraham. Isaac était tellement riche. Et allant s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche, dit la Bible. Troisième degré, c'est Jacob. La Bible dit que Jacob avant sa mort, bon, Isaac avant sa mort, transmet la sémence bénie à Jacob en le bénissant. Mais les paroles de bénédiction ou sémence, c'est une sémence incorruptible, mais c'est pourrissant. Voilà pourquoi il faut être sensible aux paroles de bénédiction. Saisis tout de suite. Amen. Que cela soit. Et ce soit-il. Donc beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas sensibles aux paroles de la bénédiction. Même pendant la prédication. Bien, mais tu peux avoir des démons. Mais par une simple parole de bénédiction d'un homme de Dieu sérieux, bien, mais tu peux être. Ça peut changer le parcours de ta vie. Amen. Sans passer par des impositions de main. Mais par une simple parole de bénédiction, tous les démons doivent quitter. Parce que la parole colle la peau des hommes. Jacob a quitté son père. Il n'avait pas un sac ou une richesse. Il avait la parole collée dans sa peau. Et cela a troublé la vie de son oncle. Comment il s'appelle encore? Laban. Alléluia. Amen. Alors, les paroles de bénédiction ou sémences, c'est une sémence incorruptible. Donc, vont changer le parcours de Jacob. Parti seul et main vide chez Laban, son oncle. Et en fouillant Isaac dessus, Jacob va y devenir de plus en plus riche. La sémence a fait quoi? A produit. Parce que dans son sang, il y a une parole de Dieu, à commencer par Abraham, Isaac et Jacob. Qu'en est-il de toi et moi? Qu'est-ce que nos ancêtres ont prononcé sur nous? Les bonnes choses. Ce que tu vis est-elle vraiment le résultat de la sémence de tes ancêtres? Est-ce que tu peux témoigner à bon ou à bien la généalogie ou ta généalogie aujourd'hui? Il y a un point d'interrogation là-dessus. Alléluia. Amen. Je vais y aller. Alors, le mystère des bénédictions. Je ne parle pas des bénédictions. Mon thème aussi non plus, ce n'est pas pour la bénédiction, mais je continue à expliquer l'impact de la généalogie à une. Ça peut être des bonnes choses ou soit des mauvaises choses. Voilà. Vous ou nous avons l'habitude de négliger notre source ou nos sources. Je dois connaître les sources. Je ne peux pas avancer si quelque part je suis attaché à la source. Alléluia. Amen. Alors,
Ne négligeons pas les paroles de bénédiction. C'est très important. Nous devons savoir les sceller par les amens. C'est très important. J'ai déjà vu quelqu'un qui était troublé des années, par des soucis, par des démons. Mais par une simple parole d'un prédicateur, en disant amen, parce qu'il avait compris. Toute sa vie était changée. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas les paroles de bénédiction, mais par nos amens et les actions de grâce. Il y a des bénédictions que nous recevons dans la prière, dans l'adoration, aussi en donnant les actions de grâce. Vous savez, le monde a été gagné par l'offrande. Qui est l'offrande? C'est Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Il a donné. Pas n'importe qui. Et pas n'importe quoi. Jésus-Christ. Si toi et moi nous sommes des chrétiens, c'est par cette offrande. Alors quand tu es sensible à saisir le monde de la bénédiction, mais ça peut changer le parcours de ta vie. En un siècle. N'attendez pas seulement les impositions. Non, tu vas. Non. Attends. Il y a les impositions des mains qui n'ont rien à voir. Qui ne changent pas la vie des gens. Si tu ne comprends pas la source ou être sensible au mot de la bénédiction. Parce qu'il y a l'influence dans la transmission, dans la généalogie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, le test. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on ne voit pas les choses, mais par un simple mot, la vie de quelqu'un peut être bouleversée. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette parole est une source qui nous suit partout. La parole de bénédiction. Vous savez, quand les gens disent beaucoup de toi, que Dieu te bénisse, qu'il pleuve, qu'il neige, cette bénédiction produira les effets. Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir faire le bien. Pour que les gens parlent en bien aussi. Parce que la parole a une puissance. Le monde a été créé par la parole. La parole crée. La parole peut créer la vie là où il n'y a pas la vie. La parole peut ôter la vie là où il y a la vie. La parole. Alors quand on n'est pas sensible à la parole, on rate certaines choses. Tu attends que les gens te posent les mains, te mettent l'huile, tu ne sais pas quoi. Attends. Dans la Bible, Jésus n'avait pas guéri tout le monde par là. Les impositions des mains. Non. Par les sept paroles. Ta foi t'a guéri. Ou bien tes péchés sont pardonnés. C'est ça, les deux mots de Jésus. Dans la Bible. Deux mots. Alléluia. Amen. Alors, d'Abraham à Jacob, il n'y avait pas que la sémence bénie, mais aussi la sémence des mensonges et de la sérénité. Vous connaissez l'histoire. Abraham avait menti, Isaac avait menti, Joseph d'accord, aussi avait menti son père. Et la sérénité est pareille. La Sarah était stérile. Rebecca non, était aussi stérile. La femme aimée de Jacob était aussi stérile. Rachel. L'héritage. Vous voyez? Il y avait la bénédiction, il y avait aussi les mauvaises choses. Voilà pourquoi Jacob, il était obligé d'aller à Péniel. Si tu ne me bénis pas, je te laisserai. Jamais. Ouh. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y en avait pas que la sémence bénie, mais aussi la sémence des mensonges et des stérilités. Abraham a menti à propos de Sarah. Au départ, c'est lui. Isaac a menti à propos de Rebecca en Égypte. Hein? En disant que ce n'est pas ma femme, c'est moi, ma soeur. C'est le mensonge. Ça a commencé Abraham. Mais au départ, c'est lui. Jacob également a menti à son père. Sa femme aimée, nous la connaissons. Rachel, au départ, c'est lui. Voilà, mais dans la lutte avec l'ange à Péniel, Jacob avait besoin que les choses changent. Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne mets pas béni. C'est le jour là que les choses ont changé. Non seulement le nom a été changé, mais la stérilité de sa femme avait cessé. Le mensonge aussi avait cessé. Nous avons le pouvoir dans la prière de faire cesser les mauvaises négativités de la généalogie. Par la prière. N'attends pas que le pasteur vienne chez toi. Tu as le droit. Amen. Le pouvoir. Amen. Mais dis, Seigneur, it's nothing. C'est fini aujourd'hui. Il faut que ma vie change. Amen. Jacob a dit, je te
laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Tu vas changer ma vie. C'est ça, c'est dans la prière. Elle prie, il priait, pardon. On n'a pas imposé la main. Il n'y avait pas lui. Rien du tout. La simple prière. La transmission a été faite. Et puis Dieu a étouffé toutes les mauvaises choses. Et les mensonges. Parce que les noms de Jacob, vous savez, ça signifie quoi? Escroc. Je suis pas sûr. Ça dit que c'était un escroc. Un vrai menteur. Donc, en portant le nom de Jacob, il était condamné à mentir. Même chez l'oncle là-bas, il a aussi menti. Mais ce jour-là, Dieu a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu deviendras le père de la nation. Donc, cela veut dire que tu vas mettre au monde. On ne peut pas te donner père sans enfant. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, il avait besoin d'enfants. C'est ça. Jacob était avec l'ange jusqu'au lever de l'aurore. C'est Genèse 32. Pour qu'il soit béni. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Le mensonge, la stérilité s'arrête. Et la bénédiction de la généalogie. Parce quoi? Poursuit son parcours. Donc, en d'autres mots, nous avons le pouvoir d'activer la bénédiction d'Abraham et d'étouffer les mauvaises choses des ancêtres. Nous avons le pouvoir, mais dans la prière, sans les positions des mains et sans un mot de qui que ce soit dans le monde. Tu as le pouvoir, j'ai le pouvoir, nous avons ce pouvoir. Alléluia. Amen. La transmission. Les mensonges, la stérilité s'arrête. La bénédiction poursuit son parcours. Et renforcé par Dieu à Peniel. L'ange béni, car il passe ici d'une famille à une nation. Il n'est plus Jacob, il est devenu une nation. Si nous appelons aujourd'hui Israël, c'est Jacob. Alléluia. Amen. Les 12 tribus d'Israël. C'est lui qui a fait les 12. Et car il passe d'une famille à une nation, dans la lutte de Jacob, appelé avec des résultats. Comme c'est cet après-midi, bien-aimé, cet enseignement a aussi des résultats pour toi. Premier résultat. Arrêter ou étouffer la négation de ta généalogie. Premier résultat. Et c'est le but de mon message. C'est la raison pour laquelle je suis là comme moi. Tout ce qui trouble ta destinée, tout ce qui trouble ton étoile, doit être étouffé au nom de Jésus. Et tu as le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras le changement dans ton parcours. Amen. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle, dans ta vie maritale, tu verras. Amen. Parce que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Premier but de la lutte de Jacob à Peniel, c'était d'arrêter la malédiction du mensonge, la malédiction de la stérilité qui régnait de génération à génération. Alléluia. Amen. On l'appellera plus Jacob, mais on l'appellera Israël. Et deuxième raison de la lutte de Jacob, c'était de renforcer la sémence des bénédictions dont son père, Abraham, est l'auteur. Renforcer, mais tu peux renforcer les mots des bonnes choses dans ta famille. Toi qui as l'habitude, tu travailles, mais tu ne joues pas de ton revenu. Tu prends, tu reçois beaucoup d'argent, mais tu ne vois rien. Ta famille vit le même chose chaque année. Tu as le pouvoir d'activer les bonnes choses. D'arrêter les mauvaises. Si tu as le pouvoir, en Christ, nous avons le pouvoir. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas pour rien qu'il était venu dans le monde. Renforcer la sémence de bénédiction et l'ange le bénit là. La sémence passe de fortes sémences en très fortes sémences. Le récit de Genèse 48 que nous venons de lire. Joseph, fils de Jacob, prospère en Égypte avec sa petite famille. Écoutez bien. Nous avons dit hier la fusion des mariages. Joseph a fait quelque chose qui pouvait arrêter l'impact de la généalogie de son père dans sa vie. Il s'est marié à quelqu'un, une femme étrangère, au nom de Asnath. Joseph, je parle de Joseph. Le mariage de Joseph en Égypte, il y a deux choses. La terre étrangère, deuxième, la fusion du mariage. J'ai dit quoi? Une femme et un homme, ils apportent quoi? Des sémences, côté père, côté mère. J'ai expliqué le cas de Joseph et Marie. D'accord? Alors, Pharaon avait donné pour femme
à Joseph, c'est qui? Asnath. C'est Pharaon qui lui a donné. Et d'où vient Asnath? Nous y arriverons. Asnath est le fils d'un certain monsieur qu'on appelle Potiphéra. Potiphéra était le prêtre d'une grande, quatrième grande ville de l'Égypte. On l'appelle On, O-N, On. Et cette ville, le dieu qui régnait dans cette ville, ce n'était pas le dieu que nous prions, le dieu Ra, le dieu soleil. Vous écoutez? Donc le beau-père de Joseph, il est en quelque sorte un ganga, comme on dit à Dina. Hein? Marabout. Donc la ville où il est né, On, il était lui-même prêtre de ses incarnations, dont le dieu soleil. Il a mis au monde une fille, Asnath. On la donna à qui? À Joseph. La fusion du mariage a créé. Ils ont mis au monde des enfants. Manassé et Éphraïm. Si quelqu'un est la terre des hommes, l'Égypte. Je vais expliquer un peu le mystère de la terre. La terre reçoit la sémence. La terre garde la sémence pour les transmettre aux générations futures. Le problème s'arrête maintenant. Alors, il y a un combat. Je vais y arriver. Donc, Pharaon avait donné pour femme à sa fille de Potiphéra, prêtre d'homme. Le fils de Joseph se marie à la fille de Potiphéra. Les filles de Jacob, Joseph, se marie à Asnath. Ils ont mis au monde Manassé et Ephraim. Manassé qui veut dire, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines à la maison de mon père. Alors, Ephraim veut dire, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je poursuis. Alors, les deux fils de Joseph étaient nés avant l'arrivée de Jacob en Égypte. Vous comprenez ça? Amen. Quelque part, il y a quelque chose qui manque dans la vie de Joseph. Qui peut comprendre quelque chose? Les deux enfants, Manassé et Ephraïm, sont nés à l'absence du porteur de la sémence. Donc Joseph n'avait pas encore quelque chose, une couverture spirituelle. Je vais y arriver. Alors, il n'avait pas la couverture spirituelle des dieux d'Abraham. Alléluia. C'est Jacob qui en avait. Il vient de le renouveler. À qui? À Péniel. L'ange l'a fait quoi? L'a béni. Mais non, Jacob, Joseph va mettre le monde dans un pays étranger, dans une terre étrangère où Dieu, le Dieu d'Abraham, n'est pas glorifié. Donc il y a la coupure. Je dis bien que dans la fusion du mariage, nous portons des sémences différentes. Et si ta sémence est plus forte, tu vas dominer. Et si ma sémence est plus forte, c'est moi qui serai plus fort. Donc si dans notre famille, il y a tous les sorciers, donc je vais dominer dans le foyer. C'est comme ça. Toi qui as l'habitude de te marier parce que la fille est belle, parce qu'il a les séjours, mais il faut regarder la sauce. Voilà pourquoi les enfants nés dans ce genre d'union, c'est-à-dire ont connu beaucoup de problèmes. S'il n'est pas délinquant, il sera vraiment n'importe qui. Nous le vivons chaque jour en Europe. Là, je vais monter mon pour avoir les papiers. Ah, merci. Les conséquences restent. Alléluia. Amen. Joseph, parce que Abraham s'est marié à Sarah, juif. Isaac s'est marié à Rebecca, juif. De même que Jacob. Mais autour de Joseph, il s'est marié à une étrangère. Donc la fusion se sont mélangées. De leurs sémences différentes. Alors il y avait un combat entre les dieux d'Abraham et les dieux de Potiphéra, les dieux soleil. Il y avait un combat. Beaucoup dans nos familles, dans nos foyers, dans certains foyers, il y a ces genres de combats. Voilà pourquoi il y a ces complications dans les foyers. Vous aimez, mais un petit problème. Quelle terre es-tu né? Dans quelle tribu? Quelles sont les lois de ta tribu? Qui domine? Quelle influence avait-elle? Comment s'appelle-t-il le géant de ta vie? Ce sont des questions à se poser. Alléluia. Amen. Bébé, à la naissance d'Ephraïm et Manassé, Joseph était certainement présenté. Oui. Dédié au Dieu soleil, sans le vouloir. Beau-père, ma beau-père, ma influence. Il y a certains beaux-pères qui t'imposent même les choses de ta maison. Tout ça, ce ne sont pas seulement le courage. Parfois, la doctrine parle. Les origines parlent. Et le même maître qui dirige même le foyer de ses fils et de ses filles. C'est eux qui donnent des ordres.
Non, Boyango. Bon, la mission passe à la beauté. Dans nos villages, on ne fait pas comme ça. Attention. L'homme est le chef de sa maison. Ma mère a vu sa vie. Moi aussi, je la vis ma femme. Après Dieu, c'est moi et ma femme. Alléluia. J'ai beaucoup aimé l'homme de Dieu où, dont la, sa maman commandait sa femme. Elle a dit, maman, après Dieu, dans cette maison, c'est moi. Après moi, c'est elle qui l'a première. Tu n'as pas le droit de donner l'ordre ici. Attends, si ma femme te donne quelque chose, oui, si tu ne donnes pas, vas-y. Même si j'ai beaucoup aimé ça. Alléluia. Amen. Ça crée des confusions. Hein. Ma maman voulait me dire ça. Amen. Alléluia. Amen. À la naissance des deux fils, Joseph était présent. Dédié au Dieu soleil, le Dieu a parlé au grand-père, le père Potiphar. Alors, qui t'a consacré? Qui t'a béni? Qui t'a béni? Qui a béni tes enfants? Qui a béni ton mariage? Qui influence ta maison? Ton mari? Toi ou bien de tierce personne? Non, ma maison à part Dieu, moi et ma femme. Point barre. Même ma soeur n'a pas droit. Je vous dis la vérité. Je fais ma vie. Tu as vu, toi aussi tu fais ta vie. Et le maître de cette maison, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a droit de donner des ordres ici. Il n'a donné nulle personne d'autre. D'accord? Si vous voulez garder l'harmonie, garder le pouvoir, l'esprit de Dieu dans votre maison, ne donnez pas à qui que ce soit le pouvoir de vous commander. Même moi, le pasteur, je n'ai pas le droit de commander dans votre maison. Je n'ai pas le droit. Je suis chef dans l'église où Dieu m'a placé. L'autorité spirituelle seulement, pas physique. Alléluia. Une génération déviée, Manassé et Ephraim, ils ont trouvé la déviation. Ils se sont perdus. Ils ont une bénédiction déclarée depuis Dieu, mais ça leur rate, ça leur échappe. Parce qu'il n'y a pas une couverture. Il faut que quelqu'un vienne déclarer. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont besoin de déclarations. On déclare sur eux pour enlever la malédiction, enlever la poisse, les échecs répétés. Parce qu'ils en ont besoin. Donc quelque part, quelqu'un qui viendra activer ta vie. Parce qu'il n'y a pas la vie. Tu vis, mais tu ne vis pas la vie. Alléluia. Amen. Manassé et Ephraim faisaient partie d'une génération déviée par Potiphar à leur part. Leur quoi? Leur part. Alléluia. Amen. Et dominée par la mauvaise généalogie de la terre de Hod. Délignée généalogique, c'est disputer spirituellement d'une génération futile. C'est qui les générations? La génération, c'est Manassé et. Et la généalogie, c'est qui? C'est Joseph, Jacob et Potiphar. Ils sont en train de lutter maintenant. Qui sera fort? Il y a beaucoup de familles que ces gens de lutte se font jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des répercussions dans la vie des enfants. Pendant que les générations se combattent, se disputent pour savoir qui sera grand, les enfants qui sont victimes, les écoles, les échecs, la délinquance, ainsi de suite. Le dispute dans le mariage. Parce qu'il y a des balades qui sont permis aux parents. Mais aussi, sans autorisation de Dieu. Le mariage, ce n'est pas une institution de parents, mais Dieu d'abord. J'ai dit hier, Dieu a créé chaque Ève avec son Adam, chaque Adam avec son. Ne cherche pas une femme parce qu'elle est. Donc, cherche d'abord la volonté de Dieu. Donne-moi l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Et il y a beaucoup de couples qui souffrent de cette histoire. Parce qu'il y a une généalogie, ou des généalogies qui se disputent pour leur génération. Les choses n'avancent pas parce qu'il faut que. Il faut que nous trouvions un homme. Alléluia. Il faut qu'il y ait un homme. Or, j'ai dit que dans chaque milieu, dans chaque quartier, dans chaque. Je ne sais pas, Carrefour, dans chaque famille, il y a les Goliaths qui règnent. Alors, un Goliath n'est pas l'adversaire. Sinon, il y aura l'inconvénient. Aussi longtemps que Goliath est là, il veut être seul. Alors, Potiphar était le type de Goliath dans la famille de Joseph. Il veut régner. Or, Dieu avait déclaré des choses. Il faut que les choses que Dieu avait déclarées pour Abraham descendent jusqu'aux générations. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui chrétiens. C'est grâce à cette famille qui me traite dans les échecs répétés, les échecs marital. Je les arrête au nom de Jésus. Simplement, tu vas guérir. C'est ça. C'est ça. En connaissant la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux te libérer toi-même. Voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas parce que vous ignorez la parole.
Alléluia. Deux lignées généalogiques se disputaient spirituellement d'une génération. Je vais bientôt m'arrêter. On va prier sérieusement. Deux lignées généalogiques se disputaient spirituellement. Jacob et Potiphar pour le couple de Joseph et Asnath parce qu'ils cherchaient l'intérêt des deux fils. L'heure à venir. Comment sera-t-il? Mais tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est le fruit d'une génération quelconque, généalogie quelconque. Alors, je ne sais pas de quelle généalogie. Côté de ta maman, au côté de ton père, au côté de ta belle famille. Il faut qu'amoureux l'homme. Il faut que quelqu'un prenne le devant. Alors, qui domine dans ta vie? Génération de vieux, mais récupérée et bénie par Jacob. C'est le plus important. Amen. Jacob, le type de Christ, il est venu nous apporter la bénédiction. Jacob a reçu la mission. Écoutez la Bible. Genèse 48, verset 5 toujours. Et j'ai beaucoup aimé cette déclaration. Ça dit qu'il réclamait la vie de Manassé et Ephraïm. C'est ça. Un bon parent, c'est celui qui défend ses enfants. Peu importe le mal qu'il a vu, l'a fait à l'école. Non, c'est mon enfant. J'ai souffert pour l'avoir. Seigneur, protège-les. Peu importe. Un bon parent, il défend 24 heures sur 24, spirituellement, physiquement, de ses enfants. Si tu vois un parent qui néglige les enfants, il n'est pas un parent. Il n'est plus qu'un sorcier. Genèse 48. Alors Jacob réclame non seulement ses enfants, ses fils, ses petits-fils. Parce qu'ils ont été bénis. Les Juifs sont sensibles à leur bénédiction. Si tu vas en Israël, même dans le bus, on donne des offrandes. Parce qu'ils connaissent la bénédiction. Dieu nous a dit que nous serons bénis, offrandes. Ce que nous appelons argent de poche. On tâche une bien carrément. Truc égale, voilà. Non, non, c'est l'offrande. Parce qu'ils respectent la Bible, la parole. Maintenant, verset 5, chapitre 48. Les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée, vers toi en Égypte, seront. L'impératif, il oblige. Quelqu'un qui connaît ses droits ne collabore pas, ne négocie pas. C'est mes enfants. Je les veux. Je le réclame. Quelqu'un qui connaît ses droits. Non, il n'y a pas de cohabitation ou bien. Négociation, non, c'est mes enfants, ils doivent prospérer au nord. Je veux mes fils prospérer aussi. Parce que Joseph, pour moi, tu étais mort. Je t'avais déjà oublié. Mais maintenant, non seulement tu es mort, tu as encore des fils. Oh non. Il faut qu'il entre, qu'il soit inséré dans la bénédiction d'Abraham. Mais il faut que quelqu'un te réclame pour t'insérer dans la bénédiction. Qui te réclame? Ou bien les choses se disent dans le contraire. Ah, que le coup soit. Non, qu'il soit mort. Non. Que sa vie soit un puits. Non, non, c'est mauvais. Il faut que dans la vie, quelqu'un te réclame spirituellement. Amen. Seigneur, je prie, Seigneur, que ma soeur prospère. Amen. Je prie que mon frère soit protégé. Seigneur, non, souviens-toi. Souviens-toi de cette soeur. Souviens-toi de son action. Mais le péché, Dieu pardonne. Mais le bienfait, Dieu s'en souvient. Amen. Alors, quand tu fais le bien, Dieu s'en souvient. Amen. Même s'il n'y a pas une prière, Dieu s'en souvient. Amen. Alléluia. Amen. Les choses continuent. Mais cet après-midi, le Seigneur te réclame. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je suis content de cette église parce que j'ai la liberté de parler. Amen. Mais il y a des choses que je dis si je n'ai pas préparé ça. Ça vient automatique. Amen. Et je sens que quelqu'un doit être béni. Amen. Si c'est toi, dis amen. Parce que je sais. Il y a des choses que je préparais, il y a des choses qui viennent automatiquement. Mais je sens que c'est pour quelqu'un. Amen. Et si tu es sensible, ta vie sera changée. Amen. Si tu es sensible, mais le parcours de ta vie sera changé. Amen. Parce que Dieu ne déplace pas personne. Elle est envoyée en vain. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te réclame. Il veut te récupérer. Que tu n'appartiens plus à Potiphéra, au tribu de Balouba, au tribu de Bazombo. Faut que tu aies un boxe. Mais Dieu te réclame que tu deviens. Tu lui appartiens. Amen. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et je les connais. Et personne ne me l'arrachera de moi. Ça, c'est Jésus qui déclare.
cet après-midi, Dieu te réclame. Amen. Parce que tu n'as parti plus à ta famille, famille Pembe, non. Tu es né dans la famille, mais tu appartiens à Christ. Amen. Et tes bénédictions te suivront à cause de ces noms chrétiens que tu portes. Amen. Mais à condition que tu le saches aussi. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, Dieu te réclame. Non, c'est pas en vrai, je vois des gens bénis, je vois. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans tous les paroles de ta sensibilité. Je ne sais pas si tu as l'occasion d'entendre ce message, mais je sais, je crois, si Dieu a mis ce vocabulaire dans ma bouche, c'est pour toi. Amen. Il faut que ta vie change. Alléluia. Amen. Yes. Dieu veut te récupérer. Il souhaite arrêter, étouffer la négativité de ta généalogie. Il souhaite arrêter les échecs répétés de la vie conjugale, la vie professionnelle, ta vie spirituelle. Il y a chrétien où il y a 3 mois, il est spirituel, mais 9 mois, il vit dans le vagabondage spirituel. Il ne se retrouve plus. C'est qu'il y a des il est infiltré. Cet après-midi, Dieu te réclame. Il veut changer le parcours de ta vie. Que tu n'appartiens plus à Potiphéra, de ta famille, mais que tu appartiens à Jacob. Ceux qui ont la bénédiction, la promesse. Si tu es le fils, la fille de la promesse, que ce message te soit accordé aujourd'hui. Amen. Non, Dieu souhaite arrêter, étouffer la semence d'Égypte, de Diora, la semence de Kodia, la semence de Primacuria, la semence de l'occultisme, la semence de Voodoo, de Rose quoi, de la sorcellerie, de la famille, de la franc-maçonnerie. La semence de la sorcellerie qui règne dans nos familles. Oh, Dieu fait l'arrêter, l'étouffer. Les sorciers seront là, mais ta vie sera différente. Amen. Alléluia. Les sorciers et les magiciens resteront toujours là, mais ta vie va marquer. Donc quelqu'un a dit, aussi longtemps que je vivrai, je marquerai ma génération. Amen. Parce que j'appartiens à Christ. Amen. Il a déjà assez souffert pour moi. Je n'ai plus de droit de souffrir. J'ai toujours dit, ma femme, quand je vais mourir, tu seras millionnaire. Parce que moi, je vais vivre. Je vais mourir millionnaire. Je le dis toujours. Sois fier d'avoir ce genre de mari. Parce que je connais ce que Dieu a mis en moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas m'influencer parce que tu as telle chose. Non, je connais l'annonce que j'ai faite. Amen. J'attends mon tour. J'attends Amen. Mon tour. Amen. Ne sois pas influencé. Alléluia. Amen. Oui, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a ouvert pour faire quoi? Pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. Écoutez, lisons Luc chapitre 4. Rapidement, le verset 18 et 19. Je veux que tu déclares ça de ta bouche. Luc chapitre 4, 18 à 19. Tiens ta Bible et déclare ces paroles pour toi. Luc chapitre 4. Non, tel que Jacob est en train de déclarer ses petits-fils, Jésus te déclare et te réclame. Luc chapitre 4. Je commence par le verset 18. L'Esprit Seigneur est sur moi, c'est Jésus qui parle. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aime le verset 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libres les opprimés. C'est le désir de Jacob pour les enfants de Joseph. Il voulait que les enfants soient libres pour hériter les choses dont Dieu a prononcé pour Abraham. Amen. Qui te réclame ce soir? Et il te réclame pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont réclamés, non pour être heureux, mais pour être malheureux. Mm. Beaucoup, mais ils sont dans l'église. Ils servent aussi. Donc la vie ne change pas. Ils vivent les répétitions des choses chaque année. Les mêmes négations, les mêmes échecs, les mêmes bêtises. Parfois chantre aussi. Parfois serviteur ou servante. Jacob libéré! La semence de la généalogie, la semence d'Abraham à Ephraim et Manassé. Parce qu'il a la vie. On ne donne que ce qu'on. Voilà. Tu ne peux pas donner la vie, ce que tu n'as pas la vie. Tu donneras les choses que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi ne te précipite pas à donner ou à libérer si tu n'as rien. Juste de vider tout ce que tu as vu. Tu dois avoir être sûr de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors Jacob, libère la semence de la généalogie d'Abraham à ses petits-fils. Parce qu'ils étaient absents de la semence. Alléluia. Amen. Jacob était venu révoquer la malédiction de Dieu Ra sur ses enfants
pour donner la nouvelle semence. Égyptien, un peuple polythéiste, le dieu Ra, le dieu soleil, régnait dans le foyer de Joseph. Le dieu d'Israël, on l'appelle le dieu, le soleil levant, le soleil de justice. Il est venu éclairer la vie de ses deux fils. Donc Jacob est le type de Jésus-Christ, qui est venu réclamer, non seulement réclamer la vie, mais donner la lumière. Amen. Et mais cet après-midi, Dieu te donne la lumière. Amen. Que tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est sombre, reçoive la lumière du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais déclarer pour toi. Tu peux répéter après moi. Au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions. Prospérité. Enterrée. Reçoive. La résurrection divine. Au nom de Jésus. Que toute résistance. Au mouvement de la puissance de Dieu. Dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Soit écarté. Par le feu du Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare à toutes les forces des ténèbres de ma généalogie que Jésus-Christ est le Seigneur aujourd'hui et éternellement. Mets-toi debout, nous allons commencer à prier maintenant. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier celui que tu as compris. Et nous allons prendre le temps de prier. Mets-toi debout, s'il te plaît, que le Seigneur joue. Le reste est pris. Nous allons prier, mettez-vous debout. Alléluia. Tu peux chanter avec moi. Oui, prends tout seul. Oui, prends tout seul. Yes.
Bénissons le Seigneur. Moi, c'est le pasteur Tom, pasteur dans cette église évangélique, la grâce de Dieu. Nous bénissons nos frères et sœurs de la Nouvelle Vision pour cette opportunité qu'ils nous donnent de nous adresser au peuple de Dieu. Ce séminaire a été organisé pour bénir le peuple de Dieu de Colmar. Ta généalogie et ta génération. Nous avons été bénis par le pasteur Marlis Pembele. Nous vous invitons, vous tous qui êtes de Colmar, qui êtes de Célestat, de Orborvire et de toutes les communes environnantes, à venir se joindre à nous chaque après-midi, le dimanche à 13h30, afin qu'ensemble nous puissions célébrer notre Seigneur pour que nos vies soient changées. Nous vous bénissons et vous accueillons ici chez nous. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et bonsoir pour certaines personnes. Je suis avec en face avec l'émission Nouvelle Vision de notre bien-aimé Fumukanda de Freiburg qui nous a fait ces belles images pour notre deux jours de séminaire sur la généalogie et ma génération. On était bénis et l'église évangélique, la grâce de Dieu est bénie. Et toutes les invités qui sont venus, ils sont bénis. Le peuple de Dieu est délivré. Je bénis vraiment la présence de tout le monde et l'onction du Saint-Esprit qui était dans la salle. Et je vous invite tous à regarder ces images qui sera divisée dans les nouvelles visions. Vous allez les voir, partagez-les réciproquement et suivez ces messages. Ça va délivrer quelqu'un de ta famille. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes une église évangélique, la grâce de Dieu, qui se situe ici à Colmar. 68 000 Colmar, au riz 7 riz de Rome. Toi qui habites dans les environs d'Alsace, tu es invité à participer à nos cultes de 13h à 16h. Et tous les samedis, nous sommes là de 16h à 18h. Et tous les fins du mois, nous sommes là en jeûne et prière. Vraiment, je t'invite, et toi qui vas voir ces missions, ces images, que le Seigneur vraiment te bénisse. Partagez ces vidéos, partagez-les vraiment à masse, que le peuple de Dieu soit béni. Je vous remercie au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour les séminaires qui viennent de se passer ici pendant deux jours. Nous avons été bénis par l'homme de Dieu, par des révélations qui sont dans la Bible et des fois les personnes ignoraient. Ça a été une bénédiction pour nous. Que le Tout-Puissant bénisse son serviteur. L'Église aussi a été bénie. Et venez à l'Église, vous allez rencontrer Dieu au travers de sa parole puissante qui change toutes choses. Je sais que dans nos vies, il y a des vides, mais ces vides-là seront remplis par la parole de Dieu. C'est elle qui a créé toutes choses visibles et invisibles. Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Alors maintenant, l'Esprit de l'Éternel, au travers de sa parole, contient tant sa parole. Il y avait quelque chose qui était vide et informe dans ta vie. Dieu va donner la forme et va la remplir par la puissance de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Venez à Jésus et tu seras guéri. Merci beaucoup. Ngai kombolanga maman Chantal Lomboto na kumisi nzambe makasi na message ndenge lekaki vraiment toza béni pendant deux jours et bandaki samedi tina lelo dimanche en tout cas toye bakate ke maman kambo bele bele zalaka vraiment to kumisi nzambe parce que délivrance ezelo mo eza très important et puis eza réel. Biso to négligera ke o ba parents nanga basala ba reprend par nanga basala. Mais c'est vraiment très important qu'on y ait l'origine, au Utawapi, au Botamawapi. En tout cas, Nzambe, à Pambola Moussali, dans Nzambe, le Lenge, à Utikolobela Biso, à Zong, c'est la Esusu Mingi, à Koleka. Vraiment, au Pamboli Nzambe, Biso, ma maman, à Colmar, au Kumisi Nzambe, ma Kasi, Kola Pambola Bino Nyonso. Merci. Pour la nouvelle vision, équipe Mounene, Oyo Yambi Biso, Namboka Colmar,
et pas être qui ko salam salam nzambe na mboka kolma na France. Merci aussi na nzambe ya pesi biso ngolu ya ko participer na site oyo poto lobela na tina Italie ma mwa nzambe to yaki na mboka opo na sina thème Italie l'impact de la généalogie à une génération kolobela mai oyo ezali ko landa biso ko tana ba koko ya malamu to ya mabe. Et les bottes dans Zambé Pambolami, tout à l'ici, ils ont nécessaire de faire ça. Ils ont activé les Pamboli. Ils ont dit que les gens ont étouffé. Ils ont dit que les gens ont dit là, il y a mal au Zambé. Je vous remercie merci parce que à Sali, au Akosala, je vous ai dit que nous avons 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 dit site Oyo Nouvelle Vision. Tozo bon de l'été Nzambe à Salango et comme mon aîné, lobby et lobby la sous Nzambe, Nanenga na Malamo Pea ou Yanguya. Kola Kumisama Pe Topesi, merci pour l'accueil Nabango, Namboka Kolma. Que Dieu vous bénisse.